2, 1. Natacha ! Je suis là, je suis là. Oh, laissez-moi une seconde que je reprenne mon souffle. Il était une fois Rosas, un royaume bâti par un grand roi magicien. Il avait le pouvoir d'exaucer les vœux. Vous êtes leur magnifique roi bien-aimé. C'est vrai, je suis un roi magnifique. Je suis tellement nerveuse, j'ai l'impression que je vais exploser. Ma meilleure amie, apprentie du roi. J'ai la mâchoire bloquée, j'ai l'impression que le bloquer. Asha, viens avec moi. Les vœux de Rosas. Wow. Les gens me confient leurs vœux et j'exauce ceux dont je suis sûr qu'ils sont bénéfiques pour Rosas. Certains de ces vœux ne seront jamais exaucés? Pas certains. La majorité. Ils méritent mieux. C'est moi qui décide ce que chacun mérite. Je cherche l'étoile qui saura me guider. Je souhaite. Mes peurs, je les oublie sur le chemin. Oh, votre magie nous éblouit. Ce n'est pas moi. Comment ? Hier soir, j'ai confié un vœu à une étoile. Et l'étoile a répondu. Je parle ? Moi, je parle ? Et en plus, j'ai une voix de velours. C'est une menace qui m'est adressée. Qui oserait vous menacer ? Là, je sais pas quoi te dire. Il y a un traître parmi nous. Retrouvez à chasse. C'est sans issue. C'est de la cajou massif et brut. Belle trouvaille, Valentino. Ça, c'était pas fait exprès. J'ai commencé. Je dois terminer. Tu caches? Rien! Rien ni personne! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bien, mademoiselle! Vous ne pouvez pas voler, mais vous pouvez